les squelettes et tout ça. Pourquoi? Bah, et leur mission, c'était pareil, il y avait un squelette. Oui, c'est d'accord. Canal 3, sur notre ordre de marche, Mystery, tu passes devant, suivi de Mastache, puis Ok. moi, et enfin la vieille. Okay. Test radio. Canal 2, hein. Doudou, tu Canal seras 3. derrière. Non, Oui. Wazen, tu seras derrière moi. Mystery. Ok. Ok, c'est bon. Bah, suivi de Doudou. Et Weldry, tu fermeras. Il est où, Weldry? Ah, il est là. Et Weldry, tu fermeras la marche. T'as reçu, Weldry? Honnêtement. Pas Et maintenant. Mastache, Ah, tu es à a combien de priori, il balles? a pas reçu. Il a pas reçu, ouais, j'ai entendu. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais. Goya? Et du coup, Ouais. j'imagine C'est que peut-être pas Mystery la est en meilleure train idée de. hein, que le médecin ramasse les crânes. Hein. Il Ok. sera peut-être occupé à autre chose. Hein. Ouais, Moi je dis on verra, on verra. Okay. On fait mine Ouais, de. c'est ça, on verra sur On est là. place. Je sais pas On trop, peut tuer 1000 effectivement, t'as personnes. raison. Personne n'est blessé, ça va, mais. Ouais, s'il a affaire, on verra sur place, effectivement, ouais, que ça marche. On se met prêt à partir Ouais, tous en capables assaut de dire, français. ah, moi j'en ai pris 3, ah, moi j'en ai pris Formation 2, au moi j'en ai service. pris machin, et on va les prendre. Bah, moi j'ai un petit bout de papier. Test 343H, canal 2, à coup. Ok. Weldrid. Delta Golf. Golf. Weldrid, Weldrid? canal 2. Canal 2. Oui. Canal 2, Weldrid. Jack. C'est bon. Oscar. Okay. Doudou, check. Warzen. Ok, ça marche le doudou. Warzen, check. Parfait. Leader de golf prêt à partir. Tu sais que t'as un truc pour bridger juste dans le dos, hein. Attendez, ils sont passés où les mecs là? Un tube à bridger dans le dos? C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait le chef? Warzen? Ouais. J'ai deux bandes de 200 cartouches pour toi. Ouais, c'est ce qu'il avait précisé. Ah. Bon, ils ont dû partir nord-ouest là. Goya? Ouais, nord-ouest. Yo, Goya. Ah, je sais On va pas. manger de la viande séchée. Les mecs, ils ont disparu. Ils sont Ah, c'est partis ça. déjà. Ils sont Ils sont déjà volatilisés partis, dans la je jungle. crois. Goya, tu nous entends? Ouais, je suis Il est là, je suis là-bas. là. Ah, 320. il est derrière. On part 320. 320. Allez. Moi, quand je vois des mecs disparaître comme ça me rappelle Predator, alors. Ouais, pareil. Je pensais la même chose. Ils sont tous enlevés un par un. Grave. J'ai vu une vidéo, le mec il était complètement visible sur la map, dans Ouais. l'herbe et tout. C'est reparti, 310. C'était trop bizarre. Tu veux qu'on suive de près dans le lac ou tu veux une distance Qu'importe, le but c'est que tu te bon, on s'égare pas. Il fait beau. C'est un beau jour pour mourir. Ouais. Vous allez pas mourir, je vais vous foutre des piqueurs dans le cul. Oh, je parle pour l'ennemi, hein. J'ai un peu de compassion. À droite à coup. Oscar est arrivé en position et à découvert par rapport à l'ennemi. On est déjà en vue. Pour Golf. Ah ok, il y a déjà du monde là. Avancé, hein. Avancé à coup. Ok.
Ouais, t'as vu le nombre de mecs qu'il y a sur la plage. Par droite. À gauche, hein. Ok. Les gars, tout doucement, planquez-vous. Il y a 8 mecs, 9 mecs en patrouille, juste devant nous. Juste devant l'enceinte. Chef, je préconise de se planquer dans des buissons ou des trucs comme ça. Ah oui, aux fenêtres du bâtiment qui est face à nous. Oh putain. Il y a des tireurs dans les miradors. Accouche-toi, Veldrin. Ah, je suis couché. J'ai perdu mal à voir s'il y a un mec dans la radio tower. Il y a un mec sur la radio tower, ouais. Ouais, il y a un mec. Ouais. Qui a une pelle là dans le coin? Ouais, j'en ai une. Vas-y, je pense que tu peux creuser tout de suite là. Allez, creuse. Je peux creuser ta tombe. Contact isolé 320. Il te demande de creuser tout de suite. Pour moi une tranchée. Non, qui zoome un peu. Ouais, la vieille creuse environ. Creuse environ 10 trous. Ouais, est-ce que tu veux que je les relie les uns avec les autres ou. 3 zones minimum. Bah, on verra bien. On est compté 4. Laquelle? Oh, ça va. Bah, combien? Vas-y, allez-y, poussez-vous un peu, laissez-moi la place que je puisse creuser sans vous gêner. J'avance. Il y a une des patrouilles de la plage qui se dirige complètement sur le flanc gauche. Bon, ouais, vu. T'es bien stable, Warzen? Il y a un paquet de mecs 300 aussi. Hein. Non, c'est pourri. Bon, ça va, ils sont voyants quand même. Ouais, si, ça va. Essaye de te trouver une bonne position si tu veux. Waldrid, est-ce que t'as une pelle? Bon comme ça? Ouais. Doudou? Doudou? De Waldrid, négatif, pas de pelle. Qui est reçu à coup, ouais. T'as une pelle? Plein sud là, là où négatif. Est. J'ai vu des mecs passer derrière mecs les casemates le en 300. Attends 30 secondes là, il parle trop à la radio là. Ouais. Bah là ils ont creusé la tranchée là. On est à quelle distance là de la base? 300 mètres. Je vais te dire. Ouais, 300, 400. On a 520 mètres. Quoi? Wow, wow. 520 mètres. 520 mètres. Pourquoi je peux pas régler cette merde là, putain? Parce que t'as la lunette. Ça me semble beaucoup, ça. Il y a beaucoup de monde de 300. Hein. Je creuse une tranchée V1 ici. Le VI fait des pâtés de sable. Oh bah, moi, les gros à 500 mètres, je les place pas. Hein. Le guide au pire. Ouais, ouais. Je t'écoute. Ah putain! Ouais, désolé. Désolé, j'avais. Désolé, j'avais. Il a craché. TS a craché. Ah, je suis une autre. Ah, ben vous êtes bien là, les Arotta. Ouais. Vous allez pouvoir prendre une bonne position. C'est bien que les villages soient pas indiqués sur la. sur la carte. Voilà, c'est sarcastique. Comme le souligne notre chef, ça ne mérite même pas d'afficher d'apparaître sur une carte, ce genre de choses. Un instant, je suis encore. Ouais, c'est des huttes. Là, la patrouille repasse devant le bâtiment à 305. Ok, Oscar va se déplacer sur les cahutes qui sont légèrement à gauche. Ok. 1, 2, 3, 3 mecs. Les mecs qui ont des jumelles là, la radio tower, c'est un sniper ou pas? Un instant, Cob. Je vois pas la radio. La tour, je vois pas. Ouais. Est-ce que t'as des jumelles? Non, négatif, j'ai pas de jumelles donc. C'est un tireur d'élite. Ok. Est-ce que t'en repères d'autres? J'en vois 3. C'est un sniper. Ouais, j'ai compris. Est-ce que tu repères d'autres snipers? Ok, on se bouge dans estimé. Ouais, donc cible prioritaire quoi. C'est ça. Ouais, je vois rien. Par contre, y'a du monde dans les bâtiments administratifs, hein. Au premier étage. Oui, on a vu. S'il vous plaît. Dernière entre les deux missions. Yes. Ok, alors en fait on a un plan du coup. Bah, passe pas à travers les fenêtres. Donc je reporte la question. Et de, tu le prends un peu dans les bras. Regardez en 300. Ouais, j'ai vu à coup. Des huttes. Il y a un mec sur la première fenêtre à gauche. Ouais, il y en a plusieurs. Il y a deux mecs à droite aussi. Il y en a trois en tout au premier étage.
comment ça s'appelle. Des tas de sable, voilà. Ok. Ok, à tout golf, attention, donc Oscar va se déplacer. On reste ainsi en position, tout le monde se met en ligne pour protéger Oscar qui va se déplacer sur le premier cahut. Reçu. Ok, on garde la même formation, okay. Une colonne serrée et décalée gauche. Bleu pris. Voilà. Ouais. Tu veux qu'on fasse quoi si ça tire? Parce que là pour l'instant nous on les voit pas. Je vois même pas les cahuts moi. Ah oui, j'ai mis les tranchées. Ah, si, les... Ouais. Les premières KU qui sont en 280 là. Ouais, d'Oscar. Est-ce que tu confirmes que j'engage le sniper plutôt que les troupes sur la pelle? Je me suis mis sur la gauche. Ah, c'est là aussi. Nickel. Ouais, je suis à droite. On est bien là. C'est quoi? Ah, ils ont mis, on va les utiliser. Sur la plage ou sur le sniper? Ah, il y a 3 mecs au premier étage. T'engages tout ce qu'il peut, ouais, priorité d'abord au sniper et ensuite priorité aussi les troupes qui sont le qui vont. Je vois le tour radio là, je vois pas moi. Ce sera ton si, à gauche des deux guéris. C'est les troupes qui sont en plein milieu du camp. Entre le 280 et le 300. Ah, attends. Pendant que bleu, ils s'occuperont plutôt plutôt de la base. À droite du bâtiment, dans la deuxième guérite à droite, il y a un mec. De là, je peux voir le sniper. Il y a guérite en fait. Sur les huttes. Si je me décale, ouais, okay. Je vais perdre le sniper. Il y a un mec dans chaque guérite. Ouais, ouais, ouais. Ou alors tu me refais une tranche. Ouais, ça me semble louche que ce soit quoi, à 500 mètres, mais bon. J'ai pas de pelle. Ouais, quoi que si. Ouais. Si, à moyen, quand je regarde avec le RCO, là je me pose bizarre 500 mètres. Il est à ma droite. Une meilleure visu, un meilleur visu. Tiens, l'aveugle. Pareil qu'il faut que tu te pousses. T'as des jumelles ou pas toi? Non. À go. Moi j'en ai. Non, j'ai qu'un RCO. Et tu peux l'avoir aussi de la position normalement. Hein. Parle du mec qui est dans la tour radio. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est lui le sniper. Je sais. Ouais, il y en a deux en fait. Et bah là, je le vois quasiment à peine là. Ah bon? Poitrine ah, d'Agoya. Palmier. Ouais, ouais. Goya. On a un mec dans chaque guérite en fait qui sont à droite du bâtiment. Il y en a un dans chaque guérite. Ouais, c'est déjà vu, Wendry, merci. Ok. Bah, je pense qu'il a déjà une bonne reco de la zone, Wendry. En plus, il a des jumelles, donc il doit être plus au courant que nous de ce qu'il y a sur place. Warzone. Tout est pourri. Peut-être là. Bah, je regarde un peu sur les côtés pour voir, quelquefois qu'il y aurait dans la jungle ouais. Des mecs. Comme des grenouilles. Pareil, j'ai un coup d'œil nord-est. Mais putain! J'ai l'impression que Doudou fait une sieste. Bleu, votre boulot, ça sera aussi de surveiller ce qui arrivera éventuellement sur notre droite. Notre droite, c'est-à-dire. Donc en gros, ça va être du 320 au 340 à peu près. Ouais, c'est reçu, on a un bon axe. Devant nous, quoi. À droite du camp, quoi. Doudou. Et bleu reçu. Bellery, t'as grillé que je venais de faire la confirmation comme qu'on avait eu l'ordre? Ouais. Ah. De quoi? Tu m'as entendu parler à la radio? Non. Parce que je venais juste de confirmer Goya justement qu'on avait reçu l'ordre. Ah, mais je t'ai pas entendu. Donc t'es à 520 mètres et le mur a été ouais, 500, pareil, 500 mètres et les mecs qui sont la plage de finement gauche, ils sont à 469 mètres.
Donc okay. T'as une plage entre 400. Je te dis ça pas méchamment, hein, Valdry, mais t'as pas des problèmes d'audition ou d'attention des fois? Non. Non, non. Parce que souvent, tu répètes, entendu, c'est... souvent tu répètes des choses qui ont déjà été dites en fait, c'est pour ça que je me demande. Oui, voilà. C'est que j'ai pas entendu en fait. Ok. T'as confirmé à Goya à la radio, je l'ai pas reçu. Hein. Ouais, confirmé. Il y a des mecs sur le. De la coup à Goya. Oui, je t'écoute. Je t'ai pas eu la radio, mais je t'ai entendu. Ouais, confirmé. On a une équipe de 3 hommes derrière les cahutes en 320. Ouais, c'est ça, ouais. Donc vous ferez gaffe, tu m'entends à coup? C'est pas la peine de parler à la radio, peut-être. J'étais pas à la radio, Goya. Ouais, vous ferez gaffe sur cet axe-là, hein. De temps en temps, vous jetez un coup d'œil quand même. Ouais, c'est confirmé, on garde l'axe. Ah ouais, je les vois, défile gauche. Ouais, il a raison, ils sont à 500 mètres. Ouais. Pas juré qu'on serait aussi loin, mais ouais, il a raison. Il y a du people là. Ouais, je pense qu'on va plutôt être là. Il y a un gros. On est pas vraiment sur le point, on est un peu en arrière. Je crois. Du bâtiment gris, Warzone. Ici, tu ne pourras pas les voir. Il y a un gros attroupement. Hein. Donc il y a des mecs qui se battent dans la forêt, faut faire gaffe. Il y a un mec sur les escaliers aussi, bâtiment gris, non? Oui, on l'a vu celui-là. Il y a des mecs dans chaque tourelle et la tour radio. Il y a une patrouille. Putain, ça va être chaud. Au 320 à peu près. Faut juste faire en sorte que. Côté, juste faire en sorte que 11 personnes s'en sortent bien. Ils sont sur l'entrée. L'entrée. Comment ça s'appelle l'entrée, sur l'entrée du. De seule entrée du bâtiment. Ça circule pas mal devant le bâtiment en plus, hein, à l'extérieur. Ça va être chaud. T'as un visu sur les cahutes qui sont en... vers l'ouest, toi? Là, du non. Coup, je vois pas Oscar là, je sais pas où ils sont. Je vais me décaler un peu à droite. Ouais, c'est bon, je vois Oscar, ils sont sur les cahutes là. Ok, d'accord. Donc je vais pas balancer le gros là-bas. A tous, Oscar est sur base de feu Gaïa, ça va pas tarder, attention. Pour 290. Collègue. Ici en fait. Ouais, qu'est-ce que tu dis à coup? T'as des coupures. Non, je disais ouais, on est beaucoup plus loin que base feu Gaïa, c'est pour ça qu'on est à 500 mètres. Ouais. Le leader. Là... Ok, attention, changement de plan. Une fois que Oscar sera sur base, Gaïa, on va les rejoindre. Reçu. De bleu reçu. Ouais, c'était juste là. Je préfère être sur base de feu, base Gaïa pour avoir une portée à la ouais. Grenade parce que là. Ils sont sur les cahutes de 290 là. Ouais, je les vois. Apparemment, c'est là, c'est la base de feu Gaïa. Ouais. Pour Golf, on partira à peu près sur le 260 pour arriver sur la base feu Gaïa. Son voisin, on aura un meilleur visu de la base de feu de Gaïa, je pense. Oh putain, il y a... Et à droite du camp, il y a une petite troupe qui arrive de 4 personnels, voire 5. Ils sont bien alignés en plus. Ouais. Ouais. Là, c'est le gros, donc il y a... Ok, ça tourne autour du trou. Je
moi je bouge pas, je suis uniquement concentré sur le sniper. On va bouger, hein, de toute façon. Un coup, il y a du monde au 312, à peu près. On va bouger, mais on attend que... On va trouver des fils d'endroit. Oscar se place. Ah, il y a plein de monde, là, de toute. Puis ils bougent tellement que ça sert à rien de les relever dans ce secteur. Ouais. Assez proche, hein, les mecs. Ils vont vers les cahutes au 320. Tant qu'ils sont pas alertés, on tire pas. Quatre. Je suis un océan de zénitude sur une planète plate. Ah bah, ils sont armés légers. Tranché là sur la Gaïa. Je sais pas, il se prépare, on va attendre. Lumière de golf. Ouais. Ouais, il creuse là. Ah, on a. L'équipe est en train de fouiller les cahutes. Dangereusement de nous, donc soyez pas étonnés si on commence à engager. Ok, d'accord. C'est cool de me tenir au courant parce que ouais, j'ai pas de visu. Au 320, les mecs sont statiques, mais là, ils sont arrêtés. Ouais, je suis dessus, là, je les vois. Non, ils continuent à droite, là. Ils vont repartir dans la forêt. Je suis dessus, moi. Ils repartent. Les patrouilles sont sur la côte, là. Ok, les mecs, sur la berge. Il y a 3 mecs. 3 mecs à droite. Un groupe de 3 mecs. Pas le groupe de 4 là. Golf. Mauvaise radio. Mauvaise radio. Golf. De la menace s'éloigne. C'est des mecs avec des RPG hein, quand même. Hein. Reçu en mouvement. Golf, on part par le sud, on peut accrocher par le sud pour rejoindre Gaïas. C'est parti, go. Go, 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 go. Il est où? Il est parti. Par là. Ouais, mais le temps que je rentre sous le matos, moi. Je suis parti sud. Ouais, on est parti, là. Le temps que je rentre sous le matos, t'es en train de pisser, c'est ça? Bah ouais. Vu le volume, ça prend du temps à ranger tout ça. Il s'est coincé les couilles dans sa fermeture éclair. Quoi. Il a dû l'enrouler. Bah ouais. N'importe quoi. C'est toi qui raconte n'importe quoi. C'est tout à fait moi. Et ça me fait bien rire. Et je ris. Tout golf à croupi. 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 Restez croupi. F. Chef. Chef. Bonjour chef. Ils ont retourné la moitié de la plage. Grave. C'est que t'appelles un meilleur point de vue. Ah ouais, c'est bien. Ah, ça fait du bien de pas avoir la batteuse, je suis sûr que vous devez déjà être crevé vous. Non, parce que moi je suis plus fort.
Bienvenue à Fort Alamo, les gars. Ouais, merci. Prenez place, mais attention, l'ennemi est assez proche à l'ouest. Ouais, on a vu. Ok, vous prenez position ici. Warzen, essaye de prendre une position adéquate pour pouvoir buter les snipers. Ok. Bleu, tu veux qu'on se mette sur la gauche ou à droite? Vous vous mettez à droite. On est trop bas. Vous vous mettez à droite de manière à avoir un visu sur le nord-ouest. On est trop bas ici. C'est pas gratifiant. Parler derrière. Ah, on est pas mal ici, qu'est-ce que t'en penses? Ah merde, on a pas la base. On a pas la base ici. D'ici Warzen, t'as un petit visu. Ouais, mais je vois pas le sniper. T'as un Théo? Ah, ouais, je suis en arrière. Je voyais ses pieds. Hein. Mais c'est nul, non, c'est nul, non, attends. Et, ouais. Warzen? Ouais. Masque tes mouvements avec les maisons. Ça vous va les tranchées ou vous en avez besoin? Certainement une par là, attends. Si tu peux en mettre plus à droite, ce serait cool. En fait, tu vois ces billets? Ah ouais, exact. Ouais, bah, moi je vais me foutre là, hein, Valdride. Oscar. Oscar. Ouais, t'es bon là, ouais. t'es bon à coup là. De flottement. Tu prévois déjà une itinéraire. Pourquoi pas. Moi je peux balancer mes greux. Tout va bien. Et on a un visu sur le champ droit. Ouais, mais non, mais il faut. Ouais, c'est pas. Cette façade-là va être déployée par toutes les équipes en fait. Ouais. Donc je te prévois du stockage à l'itinéraire. Non, non. À ta guise. Bah, ouais, coup, bah, tu t'envoies, tu me dis rien. Ah, je croyais que tu m'avais entendu. Ah, tout golf, on va pas tarder à engager. Dès que ça commence à tirer, on tue tout ce qui bouge. Reçu. Le bleu reçu, question. Ouais. On est pas prêt. Si tu peux direct s'attaquer et attaquer. Ouais, ça marche. Parce que ça serait une bonne position pour. Je vois plus rien là, je vois plus les mecs. Ah, ils sont plus là, mais ils vont repasser. Le golf, on a. Faut attendre que le. Que ma MG se place correctement et ça sera ouais, bon. Merci. Ouais, ok. On va établir également des tranchées juste sur l'avant là. Ok, on va. Après, ça va la maison parce qu'elle nous bloque. J'ai plus en avant. Par contre, du chou. Ouais, mec, on va le tirer. Y'a que la vieille qui a eu des pelles. Je sais, il s'y hâte. Donc. Oscar va prévoit de partir tout droit vers les brèches que j'ai données. Ouais. Donc ça va être c'est là-bas à peu près que sur toute cette façade va être tout simplement sécurisée, toute la zone de la plaine va être sécurisée. Toi tu resteras en place pour les couvrir, donc tu auras un très bon visuel sur eux. Ils seront également en contrebas de toi, donc tu vas pouvoir tirer au-dessus de leur tête. Je pense que tu vas également leur laisser les ton médecin à Oscar, parce qu'ils auront plus ils auront vraiment besoin du médecin avec eux, je pense. Ah, c'est bon, mais oui, qu'elle repasse devant la balle. Oscar, si ça l'embête pas. Okay. Je pense que tu vas bouger dans l'autre équipe, toi. Ouais. Ah bon? Ouais, je crois. Pas sûr, de ce que je viens d'entendre. Il y a toujours eu 3 mecs au premier étage. Ouais. Je m'en fais pas trop. Ils ont pas bougé. Je pense qu'ils vont se cacher. Ouais, je crois que dès que ça va tirer, ils vont s'allonger. Ouais, ils vont se planquer, je pense. Ouais, 300. Alors, non, tu peux pas régler. Il y a 3 mecs qui défilent droite, là, devant le camp. Oui. Weldrid, tu vas être affecté à Oscar. D'accord. Tu vas les rejoindre. Oscar, ils sont au 260. Donc juste devant. 260. Ouais, tu passes derrière là, tu passes derrière à coup. Ok. Et tu vas au 260, tu vas aller voir. Ouais, parti. Oya. Ouais. Tu pourras me tenir informé de l'avancée d'Oscar pour les grenades pour éviter de faire du friendly. Ouais, de toute façon, je vais faire un petit brief vite fait. Ouais, et si t'as les distances, ça m'arrange aussi ça. Ouais, je vais te donner ça, je te donne la distance. Début de la base et fin de la base. Alors, mur on va breacher, il est à 327 mètres. Ok, nickel, impeccable. Le premier bâtiment, le gros bâtiment gris. Le mur, il est à 327 mètres aussi, et non, le bâtiment, il est
335 mètres. Ok, nickel. Okay. Bah, c'est parfait. C'est parfait pour la portée pour moi. Ok, parfait. D'accord. Ok, pour Golf. Donc Oscar va arriver sur le bridge, on sera chargé de découvrir. Voilà, faire attention de pas leur tirer dessus quand ils vont aller bridger le mur. On est à peu près entre 330 mètres et 340 mètres du mur d'enceinte, reçu. Bah, je vous demande confirmation si tu as bien reçu le message. Ouais, ouais. C'est passé correctement. Non, ah, ici j'ai une bonne position, ici nickel. La vieille il fait des petits pâtés. Le mec est sur la. Le mec qui est au sommet de l'escalier là. Je vais pouvoir l'avoir de l'autre côté. La vieille il a tellement bien fait son truc. Attends, il y a. Là, je vais placer une patate dans la gueule, je ne vais rien comprendre. On va pas construire le mur de l'Atlantique toi dans une autre vie. Et à toutes les équipes, tenez-vous prêts, je pense que c'est une bonne opportunité d'attaquer. Oh putain, laissez-moi me dire quand même maintenant. Attention Oscar, on va pas tarder à engager, donc on engage ce qui est le plus proche de nous pour l'instant. Ouais, mets-toi carrément dans la tranchée. De rouge donc, pas le sniper. D'un coup prêt, bonne opportunité. Préparez-vous. Oh putain, ils sont belles brochettes là. C'est toi qui commence le feu. Oscar suit. Feu à volonté pour tout le monde. Allez, feu, c'est parti, go. Feu à volonté. La rose. Là tu vas faire un massacre avec tes grenades. Je sais pas. Mais j'en ai, je les utilise. J'en mets une j'en passe une sur la gauche aussi. À l'aveugle. Le mec sur la. Y'a un mec là. Ouais. Au premier étage dans le bâtiment, c'est traité. Ouais. Confirme. Delta Oscar. Oscar. Dès que cela te semble assez safe, tu peux commencer la progression en direction du camp. Attention, Oscar vient bientôt faire la progression près du camp. Et Golf. Golf. Prenez les positions de. Redéployez-vous et prenez les positions d'Oscar. Elles sont beaucoup mieux placées. Golf pris. À toute l'équipe, rendez-vous sur la. Golf, on va se redéplacer, on va prendre la position d'Oscar. C'est parti, go. Ok, moi je suis. Ok. Ouais. Merci, ça a allez, bougez en priorité, les gars. Canal 3, pardon. Bon, parce que je suis bien ici là. Ok, Mystery. Tu nous prends un cap 20 et arrivé dans la flotte direction l'objectif. Cap 20, flotte objectif, c'est parti. Ouais. Debout. Allez. Donc pour Golf, couverture pour Oscar, priorité. Pour Golf, la couverture pour Oscar. Ton but c'est de sécuriser le secteur.
T'as rien qui bouge. Putain. Doudou, tu... ouais, parfait. Tu jettes un coup d'œil dans ce coin-là de temps en temps. Hein. On va regarder notre dos aussi. Il me faut un homme sur l'ouest. Il me faut un homme sur l'ouest. Aku, tu mets-toi sur l'ouest. Reçu. J'ai rien vu sur le flanc droit. Pour l'instant. Touché. Bien joué. Tu l'as eu. Un mec fuyant. Qui se mettent dans le creux là. Tu. Ce que t'as comme vue là d'ici. À l'ouest pour l'instant. Je les ai shrapnelisés les mecs. Je vais regarder un peu ce qu'il y a derrière nous là. Ok, sur les copains. Golf. Golf. Ouais, je te vois. Non, reste en position, t'inquiète pas. Dès que Oscar rentre dans l'enceinte de secteur A, t'auras plus visuel, donc tu seras inefficace. Tu commenceras à te diriger vers eux, donc dans le secteur A, là où il y a la brèche. D'accord. Ensuite. Car pour rappel, c'est ton secteur. Le secteur A sera. C'est mon secteur pour. C'est ton secteur, exactement. Donc il sera déjà sécurisé par. Par Oscar, par Oscar. Ça okay. C'est déjà fait. Donc, une fois dans le secteur A, tu établis des points défensifs pour couvrir sur les extérieurs. Okay. Et tu dépêches un homme pour récupérer les crânes. Ils nous sont dus. Enfin, dus, je sais pas. Mais... Et ça marche. Et je. Bon, voilà, non, c'est tout. Merci. Ouais, crâne okay. De bronze, crâne d'argent, crâne d'or. Crâne de platine. Ils ont fait un détour par
Ils sont passés un peu plus sur l'est en fait. C'est bon, breaché. Breaché. Bien joué. C'était du sacré C4 là qu'ils ont mis. On laisse rentrer d'abord et on y va après. Ouais, ouais, dès que tu perds visuel, t'as plus rien à faire ici de toute façon. Tu vas tout droit, hein, tu perds pas de temps. Comment ça marche? Attention pour Golf, dès qu'on a perdu le visuel sur Oscar qui est entré dans la base, on se dirige tout droit vers le bridge. Comment? Pas tes marins, quel pète sur arme 1, il pétait. Dans le 2, je sais plus. De rouge, on les voit plus. Si, si, ils sont à l'extérieur encore. Si, il y en a encore deux à l'extérieur à droite. Ok pour Golf, on y va, c'est parti, go. Okay. Delta Oscar. Hop hop hop, allez les gars, on y va. C'est pour la je suis désolé pour la colonne, mais là, à découvert comme ça. Pas de soucis. Dodo. Ah, je suis parti. Excuse-moi, je comptais encore Weldrid. Golf. Au golf, on rentre pas tout de suite dans la base, on couvre les extérieurs au niveau du muret et de la breach. Ok, ils sont derrière un rouge. Il avait demandé. Mais devant toi, Goya, pour te protéger. Ouais, vas-y. Toi ? Attention, les gars, c'est pas totalement sécur. Chargeur. Mystery, c'est pas safe, les gars. Oui, je couvre. Ok, je reprends. Ouais. La vache, les balles, elles ont tapé dans toutes les marches, mais pas entre. Ok. Je suis sûr. C'est ma position. J'ai du mouvement nord-ouest, village nord-ouest. Warzen, tu peux va rejoindre Doudou, ouais. Si jamais. Et comment ça se passe? Confirmer mouvement nord-ouest. Alors, on a du mal à entrer dans le bâtiment. Oh ok, contact abattu sur le flanc gauche là, sud-ouest. Ouais, bien joué. Là, on est en... Ça va vous? Oui, on a. Pardon, on a. Ouais, c'est bon. Putain, alors lui il a surgi. Non. C'est Goya. Bah, fais flipper, Goya. Bordel. Ouais. Goya, on a du monde qui arrive. Mets-toi sur carte derrière Brahim. Deux équipes, vous écraser. Oui, tous les secteurs. Ok, contact, juste là derrière le. Putain, ils sont plus. Reste à couper. Reste là. Ouais. Leader de golf, on a du monde qui arrive. Un deuxième derrière le conteneur. Ok. Je prends la droite du conteneur. Ça marche. Je vais sortir de là. Chargeur. Je couvre. Reste là à coup. Ouais, je suis là. Ok, golf.
Ouais. Donc on a Oscar qui est un petit peu diff... Ils ont un blessé, okay. On attend que ça stabilise. Ils vont sécuriser un bâtiment important. Ouais. Pour toi, la priorité, c'est de sécuriser les extérieurs. Ouais, c'est exactement. J'ai eu le mec, le deuxième, derrière le conteneur. On attend que la zone soit sécurisée. Il y en a un, mais ils étaient deux. Ouais, c'est reçu. Ok. Je te propose qu'on l'enveloppe. Si t'as besoin de... Tu proposes quoi? De trancher. Qu'on le contourne par la droite pour être sûr que... Ouais, Ok, je vais faire la manœuvre. Faire une tranchée juste au niveau du bridge. Ouais, j'écoute. Ok, va voir Golf, il est à l'extérieur du mur, je prends ta place, on a besoin d'une tranchée. Ok, alors on a un mec derrière le conteneur. Non, derrière le conteneur, on l'a pris. Il est plus ? Il est plus. Okay, je ne sais pas, il y a trop de corps. Attends, j'y vais, je vais voir. Va pas courir, regarde, je pense arriver proche nord-ouest. Il a perdu pas mal de sang. Et reçu, tant que vous pouvez tenir, vous tenez à la position. Quand il est debout, la vieille. Vous allez dans le bâtiment. Ouais. On va dire que bon. Oui, je t'écoute alors, je dois. Ouais. Extérieur du mur, ta golf demande une tranchée. Ouais. Voilà, ça serait bien de faire une tranchée au niveau du bridge pour couvrir cette première position. Au niveau du bridge, c'est-à-dire ici là. Ouais. Et mon petit moustache, reste avec Oscar. Direction sud, ouais. Tu fais un cercle de manière à pouvoir avoir le nord-est et le sud-est. Je pense qu'il serait bien de commencer à mener l'assaut sur le bâtiment. Il va creuser vite. On perd trop de temps et tes renforts arrivent sur le gueule. Ça, c'est une autre question. Reçu, on lance l'assaut. Bon, mais Mystery. C'est toi et moi sur ce coup-là. Je m'appelle Prumatique. Je reste debout derrière, je prends aucun crâne, j'envoie des gens. Ouais. Comptez les crânes surtout. Ok, putain, c'est long à être en su quoi. Reste là, coup, hein, je vais voir où je pense qu'elle. Je bouge pas. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que vous voulez que... Allez, j'ai trop levé, massage. Bouge pas. C'est dehors? Ok. Ok. Vraiment, il veut creuser, il peut en mettre un sur la droite. 40. Je vais te refaire une 500. Je vais monter de l'analyse, lui. Tiens, heureusement que tu l'as. Putain, on a fait crever. Hein. Ouais. Allez. Ok, c'est creusé. Putain, t'as pris cher. Hein. Parfait, merci. Je reprends ma position, Dramac. Non, regroupe avec ton équipe. Je sais pas s'ils ont besoin d'aller sur l'intérieur du bâtiment. Ok. Porte gauche. À coup, si tu veux, tu peux reculer, tu seras un peu à l'abri si jamais au niveau du mur qui est derrière toi. Parfait. Merci. Putain de bordel. Et il creuse vite la vieille. Ok, j'entends des audios de ton côté à coup. Tu risques d'avoir du monde. Peut-être. Les contacts traités interne d'enceinte. Attention qu'ils se glissent pas sous les murs. Hein. Ouais. Genre, il y a un mur sur notre arrière là, dans l'entrée. Non, ferme. Ok, c'était pas la bonne. C'est surveillé le coin droit? Oui, c'est rouge qui surveille le coin droit. D'accord. Et moi je surveille les arrières sud-est. Golf? Golf? J'ai besoin d'un homme pour renforcer la sécurité. À coup, on va renforcer la sécurité au niveau de Dranak, tu rentres dans le bâtiment. Voilà. Ouais, tu veux quoi? Là. Me mets là. Juste là, ouais. J'ai un homme abattu, je vais prendre l'autre. Désolé, Mastache, hein, mais okay, c'est super long. Hein. Secteur dangereux. Je vais faire que je te mette des perfs. Là où tu regardes en fait. Doudou. Mais il a été abattu. Ouais. Est-ce que tu pourrais swapper mon chargeur Merde, il y en a qui s'est barré. Pas plein du tout par un. Ah, pas de soucis, il est dans ton sac? Ouais, ah, mais ça y est, le vitre se brise maintenant. Derrière la...
Bien sûr, c'est moi qui ai tous buté à la grenade. Défilant droit. Derrière le hangar. Le premier, je l'avais eu, là. J'ai pas réussi. Ça va, Veldrid ? C'est tendu, je pourrais pas te relever. C'est bien rouge, vous tenez bien la position, c'est parfait. Ouais, mais il y a tout notre flanc. Oh putain, m'a fait flipper. Oh putain, m'a fait flipper. Oui. Ouais, t'inquiète. Ouais, attends. Travaille aussi. Ok. Tout à bien, c'est strabisme. Bouge pas. Arnaque ? Ouais. Est-ce que tu. Y'a du monde sur secteur B, est-ce que tu veux que j'envoie de la grenade là-bas? Putain, merci. Non, laisse tomber. Ok. Gardez. On a un peu plus en mode. Oh, j'en ai plein, t'inquiète. Attends, bouge pas. J'en ai encore 14. Ouais, garde-les, je préfère. La Golak. C'est bon, tu peux y aller. Et merci. Delta Oscar Secret. Non, du coup, c'est bien. C'est Oscar qui va récupérer tous les crânes, c'est pas juste. Je repasse. Bon alors là, tu vas te réveiller. Putain, okay, on va merde. De l'autre côté rouge, c'est bon. Oscar, si tu préfères être à l'intérieur. Là, allez, ma charge. Voyou. Entrée de quelques contacts. Pour boire le truc. Voilà, il y a un contact très proche à 50 mètres. Ok, je rappelle. Hein, sécurisation. Okay. De toute façon, il y a le mur là. Si jamais vous sentez le besoin, vous reculez au mur. Putain, c'est le, pas ne prenez pas la tête pour ramasser les crânes. Hein. Ça pourquoi tu te relèves pour pas, bordel. Sécuriser la zone la plus rapidement possible. Peut-être mal. C'est. On peut y aller. Ouais. Gauche. Pardon ? Y'a du bazar là-dedans. Est-ce que tu l'as rempli? Il est à combien là en fait? Non, mais c'est bon, j'ai remis du sang et il se réveille pas. Il est à combien en fait? Ok, ferme. Attention. Ouais. Il est à 128,85. Attention derrière! Ouais. Oh putain, bien joué. 128,85. Ouais, tu passes au train. Ouais, vas-y, ferme. Ok, je vais. Non, ouvre toi, sinon je vais ouvrir la porte derrière moi. Bah, j'ai remis les lignes et c'est pas réveillé. Ok, porte. Putain, la vache, ouais. Non, on ouvre pas. Ça, c'est du réflexe. Il a failli faire mal, lui. Ouais, fais replier peut-être tes gars, que. Qu'ils soient peut-être plus à couvert. Ok. Leader, j'écoute. Ok, rouge, vous repliez sur le au niveau du mur qui a été fait par la vieille. Il est nickel, mais il veut pas se réveiller. Ok. Voilà, ok. Attention, donc, je passe en pression, il est à 86. Ça tire sur vous, attention. Arrière, contact arrière. 5, ouais, non, c'est pas beaucoup. Je vais lui mettre une épi. Bah, attention, ça traverse le mur, fais gaffe, Drenac. Du sang parce que là il est pas assez. Hein. T'es touché, nous. Ouais. Toi, t'en merde. As plus. Merde. Ouais, fais gaffe, ça traverse le mur. C'est proche, hein. C'est proche, c'est dans la pente. Chez moi, il est nickel. Ouais. En mettre à coup, si tu veux balancer diagonal. Ouais, à coup. Je quitte mon poste, Arnak. Azimut, distance. Azimut, 130. Ouais, Azimut, 130, à peu près 150 mètres, même pas. Ok. Creux. C'est bon, j'ai mis. Creux. Ouais, vas-y. Attention à vous. Parfait. Doudou, attention, planquez-vous. Ouais. Replie-toi. Ouais, attends. Pensez. C'est bon. Demande le médic. Tu peux reprendre ta place. Ouais. Ok, Goya, tu peux avoir le médic. Ouais, j'appelle. Allez, c'est parti. Gauche à Oscar. Rejoins ton bidon. Pardon ? Rejoins ton bidon. Ouais, on aura quelques coups quand il s'est corbeau en visuel, mais on va rester là. Je couvrais bien. On s'occupait de ça. Moi je suis derrière le muret, Ouais,
Attention. Te relève pas. Wolf. Il est où, Dodo? 130. Ici. 130 derrière buisson. Barrez-vous, là. Ne restez pas à l'extérieur. Dodo? Ouais. Allez, bouge pas. Je suis sur moi. On est paqué, faites attention, une grenade, on est tous crevés. Je suis sûr et c'est bon. Traité. Golf, toujours un homme sur le nord-ouest. Là. Reçu. Merci. À coup, nord-ouest. C'est bon, Doudou. J'étais juste de l'autre côté, mais j'avais le nord-ouest déjà. Mais ouais, ok, là. Ok, ok. Pour info, Oscar est toujours dans le bâtiment et il compte pas de sortir encore. Ok. On couvre. Attention au stackage hein, et aux grenades. Ça arrive nord. Y'a des grenades ici? Non, non, mais si la nuit. Ok, on a du... attention, on a du monde qui arrive sur le nord. Non, défilant gauche. Ah ouais, bah ouais, c'est clair. T'arrives du nord apparemment. T'as Weldreed. Oui. Attention à l'île de feu, t'as dépassé un coup. Weldreed, tu restes avec nous, tu restes avec Golf. Ouais, tu prends ta position avec Aku, Weldred. Tu couvres avec Aku. Ok. Le nord. Je viens le groupe alors. Ouais. Oh putain. Ce bordel. Je crois que t'es penché, je suis pas sûr. Quoi? Je crois que t'es penché, je suis pas sûr, je te le dis au cas où. Ouais, je suis penché, ouais. Quel est l'état de l'histoire? Le chef a un trop gros cerveau. Il y a un gros. Il est où, Mystery? Cerveau gauche trop lourd. Et Mystery, il est avec Oscar? Ouais. Mystery, il est dans le bâtiment là. Ok, j'y vais. Attends, ils ont pas si fini de sécuriser, laisse-les faire. Ils ont pas fini, soit fini. Tu restes là, Weldred. Tant qu'on t'appelle pas, tu bouges pas. Tu reprends le canal 2 aussi de la radio. La 343. Oscar? Ah ouais, peut-être t'avais changé de canal et puis on t'appelait, Weldred. Ah oui, pardon. Faut que je rechange. Voilà, c'est bon. Ce que je te conseille, Vedril, c'est de te mettre derrière Doudou, là, dans le coin, là-bas, et de surveiller le nord-ouest. Ok. Yeah. Il y a déjà... Doudou. Allez, mets-toi dans le coin et tu surveilles le nord-ouest, c'est bien comme ça. Okay. On est complémentaires dans nos axes. Ok, pas de soucis. Oh, c'est chaud, ça tire à la lourde de loin là. Ouais, ça tire à la lourde de loin, c'est clair. À la lourde. Ça va tuer une 249, mais bon. Quand même quoi. 305, 310 là. Ouais, c'est gros calibre. Tu crois? Ah, bah là, on a vu, c'est du gros, mais. J'ai l'impression que c'est de la mini-mi, moi. Mais je suis pas sûr, c'est vrai que ça a l'air d'être gros. Mais. Je mettrais pas ma coupée, mais. Là, c'est de la lourde là. Ouais. C'est de la lourde. Si je montais sur le balcon, j'aurais un petit visu, mais le problème c'est que Oscar risque de me prendre pour un ennemi. Ouais, et puis c'est risqué, tu vois ton hauteur, si y a un ennemi qui arrive proche, il risque de te dégommer. Ouais, mais le balcon, il a un muret en pierre qui te permet de te protéger tout le long. Ouais, c'est pas faux, mais avec Oscar c'est risqué. Une fois, c'est mal, ouais. Suffit qu'ils débarquent sur le balcon et qu'ils me voient, ils vont me plomber. Ouais, ils vont flipper. Oh. Ouais, ça vient du nord, ça. Ouais, non. Ouais, ça vient du nord-est, les mecs. Attention, Doudou, ils vont débarquer. Ça tire nord-est. Contact nord-est. Il voit Doudou? Non, il peut pas les voir de là où il est. Oh putain, j'ai reçu une balle. Mais eux, ils le voient. Ouais. Ok, je vois. Malak? Ouais. Tu penses quoi du balcon là? C'est dangereux avec Oscar? Doudou, c'est un bon visuel, mais je préfère que vous continuez à couvrir.
Golf. Golf. Est-ce que si, si tu prends... Il y en a un autre, je crois. Est-ce que tu peux envoyer un binôme sur les balcons de, du bâtiment? Il y a un bon visuel sur le secteur B et sur les, de, sur les extérieurs. Ok, ça marche, je vais y aller avec Aku. Ok, pour info, il y a Oscar qui est sorti du bâtiment du milieu, donc il est de l'autre côté du bâtiment et il commence à sécuriser le secteur A de l'extérieur. Quoi. Non, non, ils sont pas encore sur zone B, ils sont encore sur le secteur A. Ok, ça marche. Attention, je vais y aller qu'on monte sur le balcon. Hein. Ouais, ça marche. Je te laisse faire ça, de Golf. Golf pour Oscar, attention, on va aller monter sur le balcon. Tout doucement. Pour le secteur nord, là. Attends, je regarde un peu le secteur nord avant, là. Il y a un crâne ici. Afin de établir une bonne défense, je te laisse l'initiative. Weldrid, tu vas prendre la position là où je suis actuellement, je vais rejoindre la coup. Chat. Fin de chargeur. Ok, reçu. Laissez-moi. Là, ici, Weldrid. La vieille avec moi. Vas-y, vas-y. J'ai compris. J'ouvre la porte. À coup avec toi. Ok. Pour l'instant, j'ai tenu un peu le secteur. Putain, je mettrais pas plutôt la mitrailleuse ici. Oh non. Okay. Attention, hein. Ami, hein. Ouais. On n'a pas le choix, il faut le faire chacun. Chacun. Bon. Est-ce que s'il y a personne sur la zone B, je peux balancer de l'agro en préventif, faut voir avec le chef. Ouais, même la grenade à main, ça se fait. Alors. Leader de golf. Idée, on pourrait commencer à lancer des grenades au niveau de la zone B. Tu autorises ou pas? Ok. Reçu. Fais attention au niveau des shrapnels. Hein. T'as autorisation, mais tu fais très attention. Mystery, t'as autorisation de revenir dans le bâtiment en arrière et de trouver le chef pour avoir la direction d'un médic. À tout golf, vous montez dans le bâtiment, on va couvrir à partir du bâtiment. Ok. Ami. Je vais balancer les gars, on aura besoin d'un médic. Ok. Ouais, médic en bas. Ouais, c'est Mystery, il est dans le bâtiment blanc où vous êtes. Il va vous Weldrid, tu rejoins Oscar, il y a Mystery qui est dans les pommes, faut que t'ailles le soigner. De Weldrid, je m'occupe de Mystery. Ok, je vais balancer de l'agro sur zone B. Frag sur zone B. Reçu. Frag sur attention, zone B, attention. Zone B, frag. Koya, couche-toi. Frag. Planquez-vous. Oh putain, je suis tombé. N'importe quoi. Je rebalance une, planquez-vous. Frag. Il est où, Warzel? C'est bon pour moi. Je suis au premier étage. Ah, ok, parfait. Goya. Ouais. Pour info, il y a des crânes dans le coin, hein. Ça n'a pas été récupéré. J'ai vu qu'il y avait des crânes, on va attendre pour le moment. Mystery, t'en es où? De Wadred, Mystery OP. Il est OP, ouais, Mystery. Bon. Mystery là-bas? Ouais. Ok, ouais. C'est. T'es up? Ouais. Ouais, c'est bon, il est en. Oscar Alida. Il est OP. Nous avons fini de sécuriser secteur A, nous sommes prêts à entrer dans secteur B. Est-ce qu'on procède? Mon dieu! Golf. On attend les gars, on va recevoir nos armes. Oui, là, je vais chercher un crâne au bout du balcon. Ok, vas-y. Pense à le noter sur ton petit papier. Donc le secteur A est totalement sécurisé. Interdiction de frag dans le. Oui, c'est ça. Interdiction de frag dans le secteur B.
attention à coup, plus de grenades dans secteur B, Oscar va investir le secteur B. Oscar, reçu. C'est bien reçu, pour info j'ai deux crates sur moi. Vas-y. Mathias, pour te répondre, non, je trouve pas le temps long, pourquoi tu dis ça? Ah, t'es là à coup? Ouais. Ok, j'ai passé cette porte et je me suis fait tirer dessus. Ah, mais t'es bon. Ah bon? Ok, tu es sur l'ouest à coup. Ouest? Ok, je suis dessus. Ouais. Warzen, tu me disais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille encore le sud? Affirmatif, il semble que ce serait Loulou. Ok. Je fais le plan et puis on y va. Alors. On se colle directement au mur qui est là. Avant cela, on fait passer deux hommes ici pour obtenir une couverture sur toute cette zone là. Okay. On fait une entrée, je veux un binôme là, ça va être vous. Et la vieille et moi on sécurise ce bâtiment là. Pour le reste après on verra. Ok. On se colle là et on avance. C'est ça. Okay. Allez on y va. C'est quoi ça? Ok, on reste super bien groupé les gars, bien collé. Mystery, si t'es prêt, top action. Ouais. Doudou, tu vas aller checker les morts qui sont dans le bâtiment de... Vérifier qu'ils sont bien morts. S'ils sont pas morts, tu les tues. Puis suggérer qu'ils prennent en plus les crânes qu'ils voient. Les crânes pour le moment c'est pas la priorité. La priorité c'est surtout de sécuriser l'endroit. Je passe. Ouais, il est sécurisé. J'ai un crâne devant moi. Eh ben tu le prends pas. On s'occupe pas des crânes pour le moment, on s'occupe de sécuriser le lieu. Bah j'ai un crâne quand même. Ouh putain, il y en a deux là. Putain. Là sur l'escalier. La porte de gauche, il y a un crâne. Y a deux non mais Weldred, pendant que tu ramasses les crânes là, il y a personne qui couvre. Moi je veux que vous couvriez. Je les ramasse pas. Il ramasse pas, j'indique. Ouais, mais... Voilà, t'en as un sur l'escalier là. Ou sinon, tu les ramasses, mais tu le dis pas, et puis voilà. Tu feras pas engueuler. Putain, merde quoi. Non, le but c'est que tu commences pas à bouger. Vol pour Weldred, tu vas être content, tu ramasses le crâne, tous les crânes que tu trouves, tu les ramasses tous, et tu les comptes. Oh putain. Allez, bah, non, les autres packs. Non. Non. Qui a tiré? Tire nord-ouest. Ouais, c'est bon. Contrôle. Ça envoie du pâté là. Toi qui tire, Madrid là? Non. C'est moi qui tire, okay. Je vais passer les vitres pour que tu puisses tirer quand je trouve le sud. Moi je suis sur l'ouest. Ouais, t'as pris les crânes ou quoi? Non, c'est toi qui prends les crânes, tu ramasses tous les non, crânes. Non, non. Non. Goya, je suis désolé, c'est pas moi qui les ai pris. Non, mais il a pas compris. Weldred, en fait, tu es chargé de récupérer tous les crânes que tu trouves. Oui, mais les trois que j'ai vus, je les ai pas pris. Eh ben, c'est pas grave, tu prends tout ce que tu trouves sur zone. Carotte. Putain, t'as eu du mal à comprendre, Veldred, hein. Putain, mais sérieux. Veldred, toi, ramasse les crânes. Crâne, y'en avait 7. Trop drôle. N'oublie pas qu'il y a un autre étage. Weldred, j'ai récupéré les
panne. Une blague là quoi. Weldrid, tu laisses tomber les crânes pour le moment. Tu vas, on a besoin de toi, secteur B, Oscar. J'ai pas sur la map. Chef, effectivement, on risque d'avoir besoin de ça. Vous m'entendez à la radio? Oui. Donc je disais, j'ai ramassé les crânes, il y en a 7. Stop, Weldrid, tu vas sur le campement nord-ouest, go, on t'attend là-bas. Wow. Oh putain, non, faut arrêter là. Faut savoir qui ramasse les crânes, qui les ramasse pas quoi, ça me saoule là. Weldrid, on t'a dit d'aller sur le secteur B, c'est au nord-ouest, tu vas au nord-ouest. Weldrid, tu diriges sur le camp B et on a besoin de toi. C'est bon, j'y suis. Hein, pas facile, hein. Fais pop, Weldrid. Oula. Ah, c'est moi. Ah, ok. Plus les mecs qui sont dans les vins. Merde! Sérieux, je me suis fait one shot par qui là? Non, je suis le seul mort! Non, qu'est-ce que c'est que ça? Merci. What? Non, la vieille, il était où là, c'est la charge? Qu'est-ce qui m'a buté? Binôme avec moi, okay, tout le monde avec moi. Chef, il faut partir de cette zone. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Par contre, on est dans la zone A. Mais gaffe-toi de On se remet dans la zone A. Ah putain, non, sérieux, c'est venu d'où? Ah merde. Soin dans la zone A. Vas-y, on rentre. Derrière toi. Dis-toi la bouche, c'est comme. Putain! Allez, juste là. Non, pas ici. Tristesse. On préfère péter. Ici, Malik. Ok. Je me suis tellement fait one shot comme une grosse merde. Pourquoi t'es mort? Ouais, la vieille. J'arrive pas à voir. Il est décédé. Qu'à la série. Couché sur un coup. Trop mort. Qui me tire dessus? Non, mais il a été tué par quoi? C'est ça le problème? Je sais pas. Mais moi, je suis. Bah, à mon avis. J'ai entendu tirer, mais. Putain, mais moi, j'ai pas eu. Un moment, 9 crânes. Ça venait pas de la forêt quelque part ici? C'était mon secteur. Oh putain! Déjà il y a lui, mais c'est pas lui qui m'a tiré dessus. Oh putain, tous les crânes ici! Et ici ils ont pas fouillé? Un seul ici. Deux. Putain, les coups. Wow. Allez, c'est parti, sur la brèche. Allez, bouger. Bois. Putain, comment je suis mort? Sur la brèche. Alors, si quelqu'un dans le chat a vu là, dans le stream, d'où est-ce que c'est venu et comment je suis mort? Quelqu'un a la moindre petite idée? Je prends. Vous pouvez même revenir en arrière si vous voulez voir sur le stream. Putain, flippant.
Y'a que le mec là qui a envie. Là t'es avec moi. Ça fait un bout de temps que j'ai fait un autre vengeance. Putain, je suis deg. C'est bon Doudou, hein, c'est bon. Couvre aussi le sud pendant temps Doudou. Ouais, ce que j'ai fait. Ouais. Dessous. Merde. Non, une grenade, j'ai un peu peur que. Que la physique de ce pays nous joue des malices. Tu je les corps. Ah, bouge là-bas. 11h04, c'est cadavre. 11h11. Putain, le one shot que je me suis pris. Ah, je m'en remets pas. Ah, ils sont bien équipés quand même, quels sont les petits enfoirés. Ah bah ouais. Petit salopard. Putain, je suis plein nord-ouest, j'aurais que dalle. Bonne nouvelle, c'est que je pourrais aller boire une bière. T'en vois encore Doudou ou pas? J'essaye de regarder sur le map. Sinon, putain, tellement dégoûté! Attends, j'ai bien fait mon boulot. Bien lancé des grenades là où il fallait. Bah, c'est bon. Ouais. Ok, vas-y. Bon. Personne. RS. Ah, c'est cool. Dernier bâtiment de la zone B, sécurité, chef. Ok, binôme, là, vous allez vous mettre en position sur ces tonneaux. Et vous pouvez ouest, sud-ouest, tout. Oh, regardez ça, c'est un petit enfoiré. Ah si, il est mort. Non, il a pas l'air d'être tout à fait mort. Un petit enfoiré qui va se réveiller, qui va leur faire une surprise. D'être mort. Il y aura ça, je pense qu'il va t'en charger. Goff, il continue à sécuriser la zone, à couvrir. Alors lui, comment il va les faire suer? Ouais. On a eu des pertes ou pas encore? Bah chez nous non, l'autre équipe j'ai une idée, j'ai vu Gardaler. Et dedans, comment ils vont le suer aussi? Ça vaut le coup, il y a 3 crânes ici. Ouais, donc pour ceux qui débarquent là, bon, moi je suis mort, mais le but de la mission c'est de récupérer le plus de crânes possible sur zone. Ah, je pense qu'il compte les crânes. C'est vrai. D'accord. Alors, moi j'en avais pris 2, j'ai eu le temps de leur dire, j'espère qu'ils ont mémorisé. Est-ce qu'on a une couverture nord? Parce que c'est, les crânes, c'est des objets fictifs, quoi. On a qu'une action pour les prendre, mais ils sont pas tangibles, ils sont pas dans notre inventaire, quoi. Ils peuvent pas les récupérer sur moi. Ils peuvent que mémoriser que, voilà, j'en avais trouvé 2. Ok, je le ferai en temps voulu. Mais de toute façon, il y a un décompte en fin de partie. Voilà, quand est-ce qu'il y en a un qui s'est fumé, là? Que je papote.
crois pas. Peut-être ici. Vous êtes sur secteur B. 7, ok. Je vais faire 7 sur 9, on est à 16. On est encore loin du compte. Ok, je te laisse établir. De continuer à s'éloigner. Ok. Pour l'instant, on a. Silence et concentration de la part des soldats. Non, c'est pas chier, on est juste hyper concentré parce que finalement on sait que. On sait qu'un ennemi peut arriver à tout moment et c'est souvent justement quand on se relâche, le moment parce qu'on se fait chier, on se relâche un petit peu que l'ennemi arrive. Comme tout à l'heure où j'étais en train de tenir mon secteur et je pensais pas qu'il y a un ennemi qui allait arriver là-bas. Et ce petit gars là, il a surgi du coin. Donc heureusement que je tenais bien ma position et que j'étais prêt à tirer parce que. Sinon, c'est lui qui nous aurait baisé quoi. Donc ouais, c'est usant pour les nerfs quoi. La vieille passe d'avant. On s'ennuie pas, c'est juste usant pour les nerfs. Ouais. Ok, de l'autre côté, je vois rien. Allez, on va décider de passer de l'autre côté. Ils vont aller sur S1. Allez-y. Et ça a l'air beau. C'est la porte. Ok. Ouais, bon, c'est la cabane qui est ici. Ok, j'ouvre. Était. Intérieur neutralisé, il y a des crânes à l'intérieur. Bastache, viens ici. Prends la place de la vieille. Ok. La vieille, tu vas chercher les crânes, tu continues ton compte. C'est des crânes en or en fait. Pas de crâne. Non, c'est juste des crânes. Ah, Mystery, ça fait plaisir. Depuis qu'il a trouvé les squelettes et les crânes, il ne fait que des missions avec des squelettes et des crânes. Ok, je dois faire une com. Skirat, non, j'ai pas freeze. Je suis. Golf. Je suis mort et puis je suis mort donc là je suis en mode spectateur, je regarde mes copains finir la partie. Puisque dans nos parties la mort est définitive. Donc après une fois qu'on est mort, on passe en mode spectateur. S'il y a d'autres morts on peut discuter avec eux sans interférer avec le jeu des autres. Et pour l'instant je suis le seul à être mort donc je commente un peu le gameplay on va dire. Si vous m'entendez bien, si tout se passe bien, quoi. Parce que je sais pas si le son a bugué ou quoi. Ok, on les fera à la fin. On va faire secteur de... on va faire S2. Golf, merci, Oscar. Je vais pas tout nettoyer ici là. Ok, tout le monde avec moi. Alors, envisageable d'avoir une visite du médic parce que j'ai mal. Ouais, non, mais moi aussi j'ai mal. Tu peux tenir des heures, ça va. T'as juste mal. Ouais, j'ai juste mal. Ok, on est couvert par le nord, donc on va pouvoir traverser. Attention aux abords immédiats. Deux équipes de 4, okay. Donc une plus orientée soutien, donc, une plus orientée passer assaut. Et bifurcation à gauche, on fait la même chose pour S2. Mais c'est équipe d'assaut, roulade, donc c'est eux qui ont bouché, qui ont investi. La droite, c'est bon, hein, ouais, roulade. Et qui ont pris tous les plus gros risques, quoi. Et le but de la partie, donc comme je disais juste avant que t'arrives, c'était. On a une position qui était investie par des rebelles et il y avait des crânes à trouver. Donc il y a une grosse vingtaine de crânes entourés partis aléatoirement sur la zone. Donc à chaque partie ça change. Et le but c'est de récupérer le plus possible et de ramener le plus possible. Donc là je sais pas combien ils en sont. Là ils vont tomber dernier avec un mec. Et cadavre. Et poum, salut Mystery. Ah ben plus cadavre. En plus, c'est. Je suis avec toi. Je me suis dit, je crois que j'ai mis un mec devant là en plus. Au moment où je suis arrivé, il y a des grandes chances qu'il y ait un mec. J'espère qu'il a bouffé une grenade. Boum. Ah non, j'ai pas remis une grenade aussi loin que ça là. Ok, vas-y, commence à y aller. Ah putain, les boules. je t'ai vu arriver. Attention, je sais. Oh putain, oh putain. Ma stache. Mastache, il a été tellement traumatisé que. Ah, mais là, ils ont failli faire un tir croisé. Mastache, il est avant de passer le coin, il était déjà en train de rafaler comme un bourrin pour être sûr de l'avoir. Non, j'ouvre et tu fais spat. Vas-y, mets-toi de l'autre côté.
Ok. Dis-moi quand c'est t'es bon. Ouais, c'est bon pour moi. Ils sont okay, où là, le dernier mec dedans là. Allez, gars. Ouh. Okay. C'est-à-dire qu'il s'est entré. C'est la première porte que je lui ai ouverte, il a bouffé des tirs. Ok, d'accord, maintenant c'est bon. Tous les autres c'était bon. Limite, tu sais, faudrait rafaler à travers la tôle quoi. Presque, ouais. 3 en plus. Ouais, okay. Donc comme je disais au mec sur le stream, voilà. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui est mort avec moi, on peut parler en spectateur. Bah les gars, retour même chemin, on retourne dans le secteur B et la mec qui fait les miradors dans ce cas. C'est Limo qui regarde. Ouais, quelques petites personnes, on est 5. Ouais, la vieille du coup. Et moi je sais pas, j'étais sur le balcon là, sur la zone à côté 1, de Weldrid là. Sur la zone 1 là, à côté de Goya là. Je suis mort à sur côté le balcon. De... Ok, tir, ouais. Je sais pas d'où il est venu, mort sur le coup, donc je suis posé en pleine tête. Et je sais pas du tout où il est venu. J'ai regardé la thermique partout, j'ai vu personne. Si ça se trouve, c'est le mec qui m'a battu. Non, parce qu'il y avait pas de visuel. Regarde, tu te places là où j'étais sur le balcon, il y avait pas de visu. Ah ouais, c'est. Non, il y a pas de visu. Ouais, il y a des moments où ça a tiré. À moins que le mec il ait tiré à travers le mur, mais non, c'est pas possible. En plus, j'étais là depuis un moment, tu vois, donc ça devait être quelqu'un qui bougeait. Ouais. Quelque part dans la. Non, mais on. Il y a un moment donné où ça a rafalé là, quand vous êtes monté là-haut et ça a entendu des tirs au-dessus de notre tête là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est bon, c'est pas pour nous. Ouais, et non, vous avez pris super cher là. Donc, dans la... Franchement, non, mais les balles ont tapé là où t'es mort en fait. Ah ouais, mais j'étais pas encore là à ce moment-là moi. Okay. Moi je suis monté par l'escalier extérieur donc. Après c'était beaucoup plus tranquille, j'étais là-bas sur mon coin là, j'étais là depuis un moment, hein. Je surveillais l'ouest. Tranquillou. Et il se passait rien de spécial. On essayait de faire comprendre à Veldred qu'il devait aller vous soigner. Et boum, un tir au loin, mort. Voilà, je sais pas d'où c'est venu. Ouais, bon. Et je pense même pas que le replay nous le dira. Ça devait être vraiment un tireur embusqué. Dis donc, tu leur as mis des petits PSO à certains petits bouquins. C'est les trucs de base, c'est les classes. Okay. Bon, il est temps de faire marcher. Y en a qui... Par contre, ce qui est génial, c'est que les mettre dans les hauteurs, ils ont spawn avec des. Les optiques. Ouais, c'est ça, j'en ai vu avec des PSO et tout. Bon, ça les rend pas plus fort, mais. C'est un petit PSO quand même. Ah, ils ont vu celui tout en haut de la tour. Tu les as placés à la main? Ouais. Ah, c'est pas random, dommage. Non, non, bah, c'est pour qu'ils soient à des places. En tout, tu peux pas avoir une. Plein de places? Non, c'est trop comme. Ouais, c'est chiant. Ouais, déjà que c'est chiant de les mettre à la main. Mais tu vois, tu places dans l'éditeur, tu récupères sa position et puis tu remplis petit à petit un tableau comme ça. Ouais, mais. Si tu veux te faire chier, un jour. Ouais, non, mais il y en avait. Enfin. Il y en a un peu partout, quoi. Et puis, tu vois, il y en a 28, c'est. Même moi, je sais plus où je les ai tous mis. Donc là, l'idée, si on refait la mission, c'est deux autres mecs qui cherchent les crânes, quoi. Il y en a qui sont dedans, tu passes devant, il y en a d'autres qui sont un peu plus planqués, genre celui qui est sur la tour. Un mec qui cherche les crânes, enfin je sais pas, il y a un moment c'était. Il suffisait de faire une action molette, tu vois. Moi je suis tombé sur deux crânes, je les ai pris, basta quoi. Et tu l'as dit? Ouais, je leur ai dit, j'espère qu'ils ont mémorisé. Ok. Et à un moment, Veldred il voulait prendre les crânes. Veldred il voulait prendre les crânes, Goya il lui gueulait dessus pour lui dire non, je veux que tu tiennes ton secteur pour l'instant et tout ça. Bah c'est con parce qu'il avait un crâne juste devant lui, il avait qu'à faire l'action molette, tu vois. Donc Veldred il comprenait pas, surtout qu'on lui avait dit que ce serait lui qui prendrait les crânes. Et après, 30 secondes après, Goya lui dit « Bon, Veldred, tu peux aller chercher tous les crânes. » Puis Veldred, il fait « Ouais, mais non, il y a quelqu'un qui les a déjà pris. » Mais Goya lui dit « Mais non, mais c'est pas grave, tu refais le bâtiment et tu cherches après tous les crânes qu'on n'a pas trouvés. » Veldred, il comprenait pas. D'où il fait « Ouais, c'est bon, j'ai pris les crânes. » Veldred, il fait « Non, mais c'est moi qui devais prendre les crânes et tout. » Non, Veldred, bon, maintenant, faut que t'ailles sur le secteur B. Faut que t'ailles sur la zone, sur le secteur B. « Mais j'ai pas les points sur la carte. Bon, tu vas au sud-ouest. » Mais non, mais je dois chercher les crânes. Mais putain, Veldred! Veldred dans toute sa splendeur, il me fait trop rire. Ah, je te jure. Ah, j'avais pas vu que la ville avait foutu des renforts là, au sud. Par où on est rentré là. Des murs. Ouais, des murs. Bah, c'est nous, propre là. C'est nous qui l'avons demandé. Ouais, non, mais c'est propre. Et quand vous êtes rentré là, moi j'étais placé contre le mur gauche là. Ouais. Tu vois, quand tu vas pour rentrer, moi j'étais contre le mur gauche. Et je regardais vers la gauche là-bas où il y a un mec qui est mort sur le coin là-bas. Ouais. Et il se passait rien du tout, tout était tranquille. Et le mec il a surgi, mais il m'a surpris un truc de fou quoi.
petit réflexe dans sa gueule quoi. Ah oui oui, on était juste de l'autre côté du mur, les bruits de... Ah y'a des tirs. Non non mais c'est bon, c'est de l'autre côté du mur. Moi je m'en fous, c'est loin, y'a personne. Faut faire gaffe parce que j'ai vu un certain calibre passer à travers les murs quand même. C'est pas tout à fait sûr quoi. Et ouais, non, c'était très propre là, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, pareil, et c'est pour ça que je suis dégoûté d'être mort. Là, c'est vraiment. Bon, voilà. Coup de pas de bol, quoi. Ouais, le mec, il a. On a failli mourir là, il y a un mec qui doit tirer à travers une porte. Ah ouais. Et quand vous fouillez les hangars et tout ça, je me suis dit, limite, il faudrait rafaler à travers les portes. Mais Mastache, du coup, dès qu'on ouvrait une porte, il foutait des rafales, même si. Enfin, avant qu'il voit, quoi. Ouais, il a raison. Ah, le premier mec, c'est vraiment, j'ouvre la porte, deux mecs se voient ouais, et ouais. Il a vaporisé et l'autre, sauf qu'il a eu 10 balles. Quoi. Et les petits hangars là, il peux... ah, y a une petite fenêtre, tu peux lancer une grenade à travers. Hop, touc. Ça fait une cocotte minute à l'intérieur, ça chauffe. Bon, je note peut-être une ou deux patrouilles en plus un peu plus tard là, parce que c'est bon qu'il n'y a plus rien. Ouais, pour maintenir la pression quoi, c'est ça? Ouais. Je pense qu'elle s'arrive un peu vite. Les... Bah, tu fais spawn juste un mec un peu plus loin de temps en temps et tu le fais venir, tu vois. Juste un mec. Juste histoire de maintenir la pression et de dire hey, attention, il y a toujours des ennemis qui arrivent. C'est vrai, hein, sans que ce soit forcément en danger, juste un mec. Ouais, ouais, des petites fouilles. Et je suis un peu déçu, tu vois, y a personne qui est venu de la forêt à l'ouest. Et là, par contre, tu vois, tout est à peu près. Il y a un visu à peu près partout, sauf à l'ouest, dans la forêt. Et y a pas de mecs qui sont venus par là finalement, c'est dommage. Ouais, bah. La prochaine fois. Et après tu gères pas les patrouilles, hein, c'était pas de ta faute. Si, bah en fait j'ai mis plusieurs points de spawn autour du camp, hein, assez loin. Et bah vous faites spawn des patrouilles aléatoirement sur ces points quoi, ouais, voilà, pour les faire venir. C'est comme pas ça... Si elle passait pas là, non, non, pas c'est... Parce que là, moi j'étais sur ce secteur là, c'est vrai que c'était dur à surveiller quoi. Mais ça s'est passé mais exactement comme je voulais quoi, enfin... Nickel quoi. Ouais non, c'était propre. Je... 10 là. Ah attends. La vieille. Faut qu'ils finissent proprement. La vieille à 200 mètres, tu t'arrêtes. Ah, je pense que la route est claire là. Ouais, mais de toute façon, j'attends plus. Moi, je crois que j'ai fait du bon boulot aussi avec mes petites grenades. T'as vu le nettoyage, le pilonnage au début, avant que vous y alliez. Ouais, la grenade. Mais putain, merde, en fait, ils vont buter tout le monde avec les grenades. Mais non. Ah bah attends. Ouais. Ah le grand bâtiment, mais c'était le kiff total à nettoyer là. Ça devait être flippant. Ah c'était énorme. Ah, on attendait. Après je me suis inquiété, je me suis dit putain alors, j'espère qu'ils se font pas trop chier là parce que enfin moi là c'est Ouais bah c'est un peu soutien, mais c'est le boulot mais non franchement enfin moi ça va. Et encore, au final vous avez on a vous entendu tirer souvent là donc puis on a eu nous quand on passait la tête sur le côté vers le secteur B là. Deuxième secteur, putain on prenait des balles, on refermait vite la porte. Non, il y avait du boulot sur les extérieurs. Heureusement qu'on était là sur les extérieurs, il y avait des renforts ouais. Qui contournaient et tout ça, donc ça a été. C'était très cool. C'était du bon travail d'équipe. Les deux équipes ont bien travaillé. Ouais, voilà, c'était impeccable. Rien pour vous motiver, je vous dis que j'ai la même chose, la version XXL regardez, à 16. Regardez, c'est tout le monde qui surveille à 360. Ok. Tout le monde s'en parle de l'explosion. Tout le monde surveille son secteur, c'est magnifique. On prend la marche. Chef. On revient toujours. Ouais, ok, vas-y. Pourquoi ils ont fait sauter le bâtiment? Par plaisir. Ah, elles sont jolies les ruines, ouais, le bâtiment. 120. Oh, les jolies ruines. Oula, c'est un peu vite. Bon, y'a que les cadavres qui restent en l'air, quoi. Mais... Ouais, comme ça arrive souvent. Même le mien. Moi, je flotte, moi. Même dans la mort, je flotte. Ah, j'aime bien jouer les baffes en plus. Ouais. C'est cool. Bon, ils ont perdu deux hommes alors. Moi, pas de bol, et toi, J'attendais venir. Attends, pour l'instant, ils ont perdu deux hommes. Mais vous seriez. Vous seriez arrivé de l'autre côté, tu l'aurais vu plus facilement, t'aurais pu l'engager. Là, t'es tombé nez à nez quoi, avec. Oh, mais ils sont trop cons. Quoi? T'es déçu? On spoil, il y a une patrouille qui est sur le camp d'arrivée. Ah bah, qui est dans un bâtiment. Mais c'est dégueulasse que t'as fait. C'est complètement dégueulasse, mais c'est pour que les mecs restent concentrés jusqu'à la fin de la mission. Ah
quoi, c'est dégueulasse, c'est ce que t'as fait. T'es un salaud. J'ai déjà fait ça. La fois où je l'avais fait, en fait, on avait laissé une IA sur le point de départ. Et à un moment donné, c'était Sparfel qui était un peu en arrière, qui est l'idée. Il a entendu des tirs au loin, du coup, en plus, c'était ma mission. Il a tilté, on va faire gaffe quand on va revenir à la base. Non, mais c'est important de rester concentré jusqu'au bout. Il y en a qui sont un peu glitchés dans le truc, mais ouais. Oh, ils sont actifs. Oh, tu les as mis en actif quand ils s'approchent. Bah, ils sont en patrouille sur la zone normalement, ils cherchent un destroy, sauf que là ils sont bloqués dans un bâtiment. Non, mais là ils sont mis en mouvement, ils étaient immobiles et là, ils sont mis en mouvement. Ah, c'est que t'as mis un petit quelque chose. Non, ils sont cherchent un destroy sur le village là, et autour il y a une zone de 200 mètres je crois autour là. Ok, est-ce qu'ils étaient immobiles voilà, bah ouais, ils étaient bloqués. D'accord, ça va. Ils sont pas vraiment en train d'attendre, c'est pas un truc de pub. Ils sont en train de patrouiller sur la zone. Okay. C'est cool. Non, parce que si les mecs ils étaient vraiment en train d'attendre au pied du drapeau, tu vois, c'est un peu dégueulasse quoi. T'as un niveau RPG. Oui, pas... Oui. Là, non, non, ils sont en patrouille. Ils sont dans la jungle quoi. Non, c'est pas si je voulais faire dégueulasse, j'aurais foutu des mines qui spawnent après quoi. C'est plus dégueulasse. Une Shilka qui spawn sur le point d'arrêt quoi. Allez, finissez la mission les gars. Une Shilka. Eh, il fallait être attentif les gars. C'est vicieux, mais ça va, ça reste. Si t'es concentré, tu vas les voir de toute façon. En plus, le mec il fait des gros sprints de partout. Ah, mais lui il a pas de stamina, il s'en fout, il saura quand même viser cette fois. Oh putain, ils sont sur leur flanc. Retourne-toi, arrête de courir comme un con. Ah mais arrête de courir comme un con. Alors là, ils sont tous en train de discuter. Oh putain, regarde, il est sur leur flanc gauche là. Et là, ça va faire mal. Ah, oh, ça va piquer, en plus, ils sont bien séparés les ennemis. Alors, à qui on va parler en premier? La vieille, cours. Mets-toi à l'abri. Tu sais pas d'où ça vient, c'est ça le problème. C'est bon, bah ça va aller. Ah, joli. Hop, petit bon, les couverts. Hop, ça y est, c'est bon, Flex. Ah, voilà, c'est bon. En fait, j'ai juste besoin de mettre un mec presque. Ouais, c'est ça, juste pour le stress quoi. Regarde, hop, là c'est bon. Là, tout le monde est reconcentré à fond là. Ah, ouais, là, ils ont tous pris des couverts immédiatement, c'est cool. Ils étaient en colonne et tout le monde a pris des couverts d'un coup, c'est chouette. En plus, quand t'es un spectateur comme ça, tu vois bien les mecs. Oh, le dernier, il s'est mis dans une maison en plus. Bon, là c'est pute par contre, mais c'est pas moi qui l'ai mis là. Qui y allait tout seul? Ah, celui qui est bloqué là. Ouais. Ouais, c'est pas moi qui l'ai mis dans la maison, hein. Il s'y mit tout seul, comme un grand. Ah, du coup, ils vont fouiller toutes les maisons. Oh là 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 là. Après, est-ce que ça aurait été pertinent de mettre un petit peu plus de mecs? Vous savez à peu près où il est mis? Je sais pas. Il était à l'est, j'ai entendu le tir direct. Ouais, je dirais 150. Ah c'est bon, ils sont concentrés là. Ils étaient en train de retourner avec leur crâne tout content. C'est ça, les mecs, concentrez jusqu'au bout, c'est important. Ah, ils ont entendu sûrement le mec. Ah, il sort. Il essaye. Voilà, oh là. Oh, bien joué. Il est sorti? Ouais, il est sorti, ils l'ont battu. La morphine dans mon bras droit, gauche pardon. Ah mais la veille, il a pris des balles quand même. Ouais. Mais il était tout devant en fait. Ah ouais, t'as pris ah ouais, c'est clair. C'est Mustache qui l'a sauvé, il a. Tu me feras une piqûre aussi. Juste la morphine. Ah, je note, peut-être un petit peu plus de monde sur le village de fin. Trop tard. Pour que ça justifie bien la reprise. À fond, parce que là je crois qu'il. Peut-être plutôt fait les tournées autour, je sais pas, ou. Et... Ah, mais normalement ils doivent tourner à 200 mètres autour du point quoi. Jusque là, bah, vous êtes les cons dans une maison. Ouais, mais est-ce que tu les as mis en patrouille random ou est-ce que t'as vraiment fait un cercle qui tourne autour? Ah non, c'est vraiment patrouille random. C'est marrant, ouais, bah, faire un cercle alors. Là. Ok. Ouais, je dis ça, fais ce que tu veux, après je m'en fous. Okay. Allez, c'est bien la patrouille random là. Et du coup, des fois, il y en a dans les maisons, c'est rigolo. Merci. Et je note, je vais peut-être en mettre un petit peu plus parce que du coup, là, ils vont passer 2 heures à nettoyer le village et en fait, y'a plus rien. Ouais, c'est ça le problème, tu vois, c'est que maintenant qu'ils ont vu qu'il y avait un ou deux contacts, ils vont sûrement tout nettoyer là, ils vont perdre du temps, alors ouais. C'est fini quoi. Ouais, je note, en mettre un peu plus. Ouais, il manque des idées sur si... les... Je sais pas s'il faut en mettre plus ou s'il faut trouver un truc pour leur faire comprendre que non, c'est bon quoi, vous pouvez y aller, c'est nettoyé. Comment on pourrait faire? Un véhicule plutôt?
Un petit technical qui les attend ou une connerie comme ça? Je sais pas, non, en statique, mais. Tu es en statique sans essence, tu vois. Tu le mets hop, il arrive, tu le fais spawner. Ah, quand ou ils alors. Arrivent, ils le détruisent, mais ils savent qu'une fois qu'ils l'ont détruit, tu vois, c'est bon, il y a rien d'autre quoi. Il va pas y avoir des mecs qui se baladent quoi. Ouais, non, mais je pense peut-être plus de mecs parce que là, du coup, ils font du super boulot pour nettoyer proprement, là. C'est net. Ouais, ça va, ils vont vite quand même. Ouais, non, je pense que je vais mettre peut-être une ou deux patrouilles en plus. Histoire de. À mettre un peu plus de contenu. En spectateur, on va le voir le nombre de crânes, nous ? Ouais, normalement. Ouais, ils sont bien séparés, ils sont bien séparés. Il y a une équipe, non, qui, c'est... Une équipe qui reste à l'extérieur. Bien joué. Super propre, là. Moi, je 10 sur 10 sur la mission. Là. Ah, deux pertes, donc ça peut pas être 10 sur 10. Il y a eu deux pertes. Okay. Ouais, moi, c'est lamentable quand je joue. Mais je la tête, on repart mais d'un point de vue technique et jeu. C'était du beau jeu, ouais. Ah non, je mettrais pas 10 sur 10, je vais mettre un 9 sur 10, mais ouais, c'était. Ouais, c'était peut-être pas 10 sur 10, mais c'était, ouais. C'était très très bon quoi. Je suis. Évidé. Propre. Bon, beau nettoyage, c'est... une équipe qui passe devant, une équipe qui prend position derrière. Ok, je vais chercher le service AP. Et un bon feeling, et un bon. Bonne. Ouais, ça c'est. Bonne mieux. Je vois bien besoin d'une morphine aussi. Mieux goupillé Kira. À part la Veldrid, il comprend pas tout ce qui se passe, c'est mais ça, bon, c'est pas grave, c'est Veldrid. C'est la mascotte, on a l'habitude. Ok. Et ça fait les cons avec les tanks. Alors maintenant la question c'est que quand ils en ont ramassé. Mais fait spawner des ennemis, ça leur apprendra. Mais je peux en plus, juste à exécuter un script et je peux refaire spawn tous les ennemis de la carte. T'arrives à ouvrir la console là toi? Tu peux pas ouvrir la console. Bah, si, si. Ah ouais, c'est avec escape. Ouais non, c'est... Le gars admin. Comme au camping. J'ai fait spawner toute une escouade en plein milieu de. Ah mais là je peux leur envoyer 2000 mecs sur la tête. Tout de suite là. Ouais je sais. Je peux renvoyer autant de. Ah ils sont beaux, ils sont propres. Ouais, ah, c'est classe. En plus les camos ils marchent bien dans la jungle et tout quoi. Ouais ils sont super beaux ceux-là. Ouais j'aime bien. J'adore les baffes. J'adore les camos. Je cherchais des trucs dans la jungle et puis je me dis attends les buffs. Oh ils ont des putains de camos. Bon, leurs armes c'est pas ce que je préfère mais fuck. C'est classe. Ils sont super beaux. Ils sont magnifiques. C'est bon. Ils sont magnifiques leurs camos. Mec, que ce soit les trois camos, hein. Ce désert, ce. Ouais, ce forêt et ce. Alors. Traction, ok. J'ai allumé un petit peu parce qu'il fait pas trop chaud. Ouah, yes. Ah, c'est imperfect. C'est imperfect. Pas imperfect avec deux pertes. Pas imperfect, mais presque quand même quoi. GG. Cool.